Beau matin à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième semaine de décembre. Nous sommes lundi 18 décembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un joli week-end. On continue avec les cartes divinatoires des archanges et on terminera par mes petites prières pour guérir avec l'aide des anges, n'est-ce pas? Avant de commencer, j'accepte de prendre conscience que chacun a sa place et que je dois prendre la mienne, et j'accepte de m'aimer davantage, de m'affirmer et d'exprimer mes besoins en un mot d'être moi. Et vous répétez cela 3 fois. Aujourd'hui, j'ai pigé victoire. Victoire, c'est avec l'archange Sandalphon. Sandalphon, ça a été un humain avec Métatron. Et ce sont devenus des anges. Donc Sandalphon, il connaît bien l'être humain puisqu'il l'a été lui-même, n'est-ce pas? Et l'archange Sandalphon, il vient vous dire que vos prières ont été entendues et elles vont être exaucées, et il y en a certaines qui ont déjà été exaucées. Pour certains d'entre vous, n'est-ce pas? Vous méritez, mais largement, cet instant victorieux. Vos efforts et votre dévouement inébranlable ont mené à une heureuse manifestation. En fait, vous êtes récompensé de tous les efforts que vous avez faits. Car ça n'a pas été facile, mais là, vous y arrivez. Vous êtes arrivé pour certains et d'autres, vous allez y arriver. La paix et les bons sentiments, ils sont à vous en ce moment. Concentrez-vous sur l'instant présent et soyez bien à l'aise pour savourer pleinement chaque émotion et chaque expérience. Sachez que l'avenir, l'avenir est pris en charge d'une manière positive, tandis que vous vous donnez le droit, évidemment, et vous avez raison de profiter du moment présent. Soyez bien à l'aise dans ce que vous êtes et sachez que votre succès profite aux autres. Vous récoltez ce que vous avez semé. Et c'est magnifique pour certains d'entre vous, de voir la récompense. Ça a été dur, ça a été pénible. Mais là, vous y arrivez. Travailler avec l'archange Sandalphon, Sandalphon est l'un des deux archanges, n'est-ce pas, qui était mortel, comme je vous l'ai dit tout au début. Ils ont vécu des vies spirituelles si remarquables qu'ils ont fait leur ascension dans le royaume, des archanges. Alors, l'autre, je répète, était Métatron. De même, Sandalphon peut vous aider à faire de votre vie une œuvre d'art. Il faut lui demander, il faut l'implorer, demandez-lui de vous aider à vivre dans l'intégrité avec vos dons spirituels de prophétie, de guérison et de manifestation. Pleinement consciente. Alors ce bel archange Sandalphon peut vous aider aussi à exprimer votre vérité ouvertement, d'une façon qui pourrait profiter à tous de cette vérité. Il vous aidera aussi à apprécier tous les miracles et les victoires de toute importance dans votre vie. Je trouve que nous commençons
la semaine avec un beau message de cet archange Sandalphon, n'est-ce pas ? Victoire. Eh bien voilà, je termine avec mes petites prières pour guérir avec l'aide des anges. Alors, j'ai pigé pour aujourd'hui addiction. Addiction. Pour certains d'entre vous, que compense votre addiction ? Question. Quel plaisir votre addiction vous procure-t-elle ? Et à quand remonte cette addiction ? Pourquoi cette addiction ? Que s'est-il passé dans votre vie à ce moment-là ? Si c'était possible, eh bien, quel plaisir vous comblerait plus que votre addiction ? Vous sentez-vous suffisamment aimé ? Ou encore, êtes-vous entouré par des gens bienveillants ? Comment viviez-vous avant cette addiction ? Est-ce que vous étiez heureux ? Pourriez-vous retrouver cet état d'être ? Alors, ça peut être une addiction à la nourriture, à la cigarette, à la boisson, à la drogue, au sexe. Qu'est-ce qui a fait que vous avez basculé dans cette addiction ? Il serait peut-être bon de répondre à ces questions. Maintenant, la prière pour vous en sortir en dehors d'un thérapeute. Mes anges, merci de me libérer de mon addiction afin que je retrouve ma liberté. Mon addiction est une dépendance qui s'est cristallisée lorsque j'étais vulnérable. Je fais le vœu aujourd'hui de guérir de mon addiction et de redevenir la personne pure que je suis par essence. Je suis la résilience. Je mérite la résilience et vous répétez cela 3 fois. J'ai une pensée pour ma sœur qui avait une addiction et malheureusement qui est décédée. Voilà, qui est décédée et elle était née ce mois de décembre. Et elle avait, voilà, une grande, grande addiction. Et maintenant, c'est une maladie, n'est-ce pas ? Une addiction, on est malade. Hein ? Et on ne peut pas jeter la pierre. Si vous désirez savoir quel ange travailler pour l'addiction que vous avez, vous pouvez me le mettre en commentaire. Je vous nommerai, je vous donnerai l'ange. Dans les 72 anges, il y a un ange que vous pouvez travailler avec pour essayer de guérir de cette addiction. Je suis en toute pensée avec vous pour celles et ceux qui sont addicts. Et puis, malheureusement, je ne peux pas faire le travail à votre place, mais il y a un grand, grand travail à faire. Et ça peut remonter, des blessures de votre enfance, de votre jeunesse, de votre adolescence, etc., etc. Je vous souhaite une magnifique journée et puis on se retrouve demain avec un nouveau message et d'ici là, eh bien, je vous embrasse, portez-vous bien, à demain.